de flux migratoire et plus de colonisation. Et non, nous, on n'en veut pas. Et donc, l'échéance qui va nous permettre d'arrêter ça, c'est l'échéance de 2014. Et c'est pour ça que nous, on dit que nous, indépendantistes, on est capable, par notre unité, par notre volonté, par notre discours clair, hein, et de montrer qu'on est véritablement moins indépendantiste, on est capable de créer les conditions pour qu'en 2014, on gagne les élections. À ce moment-là, les dés seront posés sur la table, à nous de faire le choix à ce moment-là. C'est vrai qu'à la Cour de Nouméa, avec un processus qui continue jusqu'en 2019, d'ailleurs ce soir je crois qu'il y a une émission à la télé où les juristes vont venir nous expliquer que voilà, c'est pas possible que, pas possible que. Moi je dirais que nous aussi dans ce pays, c'est nous qui avons fait les choses, nous les Kanaks. Quand on a décidé de faire, en 84, de nous opposer au statut Lemoine, parce que le statut Lemoine ne reprenait pas les conclusions de la ville des Roches, et que dès ce moment-là déjà, pourquoi le boycott? Parce qu'il n'y avait pas de garantie contre les flux migratoires. Moi, je rappelle aux responsables politiques indépendantistes, il n'y avait pas de garantie contre les flux migratoires, c'est pour ça qu'on a fait le boycott actif du 18 novembre 84. Eh bien, 24 ans plus tard, ou 28 ans plus tard, on en est à quoi? On est au même point. Et on va continuer à accepter les choses, que les choses se déroulent tranquillement. Moi je disais peut-être qu'on n'est pas, on n'a pas affaire au même problème. Parce que tous les jours, on a des exemples, des gens de chez nous qui souffrent, qui voient et qui ont besoin de travailler, qui ne peuvent pas travailler, que vous avez des gens qui débarquent et qui arrivent avec, aujourd'hui avec Internet, les gens ils partent de France, ils ont déjà leur travail, ou ils partent de Tahiti ou de Wallis, ils ont déjà leur travail, et nous les gens d'ici, ils n'ont pas de travail. Il faut qu'ils rament, il faut qu'ils essayent de trouver un logement, il faut qu'ils essayent de trouver, une classe pour leurs enfants, mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, alors est-ce que c'est une utopie? D'abord, est-ce qu'on croit à l'indépendance, à la revendication de l'indépendance? Moi, je disais qu'à quelqu'un le jour,